His pot's getting pretty big at this stage. Top pair for Delaney could be trouble. No chance. You can never miss a bet here in hundred years. Oh man, this is really savage. This is why you might want a three-bet Kings pre-gonna yeah. put the hammer down. Four yeah. bet here. Oh my days. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, les amis, pour une compilation qui sent bon la France, qui sent bon Paris. Et oui, le PT Moyou est de retour euh, en terre française, et on va revenir sur les plus belles mains de la première édition de le dans la capitale. Ouais, c'est euh, du poker joué par des coqs et pas que des coqs, hein, parce qu'il y avait pas mal d'étrangers hein, qui euh. ont été loin dans cette EPT Paris. Il y avait forcément beaucoup de Français, mais il y avait aussi euh, euh, tous les meilleurs joueurs du monde qui se sont rend donné rendez-vous. Dans la capitale. On rappelle que la seconde édition de le PT Paris aura lieu en 2024, très prochainement. Ou peut-être euh, au moment où vous écoutez cette vidéo, elle sera peut-être déjà passée. N'hésitez pas à aller voir bien sûr des replays, puisque ça sera streamé euh, en intégralité sur YouTube à partir du D2. Donc voilà, à suivre bien sûr. Et tout de suite, You, on commence donc par, donc avec ses mains les plus folles de cette édition 2023. Euh, Harry Lodge, le, le britannique, face à Peter Jorgneux, qu'on avait surnommé Jorgneux le généreux. Ouais, le suédois, euh, amateur, euh, fan de. enfin, euh, même expert en crypto, euh, qui avait trois bêtes, hein, une relance précédente, et ça avait été call 4 bêtes par Harry Lodge. Et Harry Lodge, euh, la couvre Peter Jorgneux et vient de faire deux paires. Jorgneux n'a plus qu'un 10. Ou alors. Oh Incroyable. On les pick -pick pour splitter. Et on va se rasseoir chez Peter Jornieu. Là, c'est Madame Jornieu ici qui était toute contente, forcément heureuse de voir son homme doubler euh, Harry Lodge, hein, un des favoris à ce moment-là la... du tournoi, qui euh, prend une grosse, grosse baigne. Ouais. Il y a eu une doublette hein, à River, mais ouais. c'était pas la bonne doublette. Il aurait fallu euh, doublette de l'As ou doublette du Roi. Et Harry Lodge, qui effectivement là va se retrouver dans une situation euh, bah, quasiment euh, devenir le Bullard. Hein. Et on se retrouve à 8 restants maintenant, 1606 joueurs. Hein. C'était le plus gros EPT béni euh, hors, euh, hors Barcelone, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, en terre européenne, après avoir, si on considère le PC. Mais ouais, bien sûr, hein, c'était un, un énorme fil, d'une vraie réussite. Et, euh, et là, tout à carreau pour Schulz. Ouais. Le, le jeune Schulz, le, le danois qui euh, fait peur à tout le monde, faisait peur à tout le monde face à l'année le Britannique joueur de, de, de cash game, je crois, professionnel. Cash game PLO live. Donc on est, euh, alors on est juste dans le live, hein, dans ce qui pourrait être son, euh, son jardin, mais sinon, euh, tournoi à Holdem, ce pas vraiment son, euh, sa tasse de thé à l'année mais il est quand même venu faire ce festival, ça arrive souvent. Des joueurs viennent pour aller faire du cash game sur les festivals EPT. Puis finalement, on se retrouve à, à aller baïn le tournoi. Et c'est ce qui s'est passé pour l'année Et de là, avec sa paire de 10 sur le second bar de, du jeune Schulz, décide de, de payer avec maintenant la possibilité de faire full avec une triplette du 2 ou un 10. Et voilà le 10 qui arrive River. Oh, Schulz était tellement énorme sur le flop. Ouais, c'est ignoble. Ignoble pour le, le jeune Danois. C'est le bonheur, par contre, pour le, le britannique de l'année qui, qui est qui arrivait donc sur, sur ce sur cette TF avec un gros gros stack et, euh, et la Schulz qui va euh, prendre son jeu ton temps you, alors est-ce qu'on mise cher et si jamais on se fait raise you, on se garde genre 2 millions par exemple est-ce qu'on va faire un million neuf chez Schulz et si on nous demande les papiers on, on passera quel est un petit peu l'esprit bah chez, ouais. le, chez le Danois Ça peut être ça. Alors après, on est 8, on est en table finale et l'ICM frappe fort. Donc on peut aussi se dire, si on a estimé que Delaney de n'était pas du genre à, à, à raiser en bluff, on peut aussi miser euh, genre 3 carpeaux et puis euh, Et puis passer sur un raise. Si on estime qu'il y a zéro bluff River, maintenant Delaney c'est un joueur qui bah, il a fait 3 carpo. C'est un joueur qui est capable. Euh, de relancer quand je dis un million neuf, un million cinq, on n'est pas si loin. Il fait quand même cher globalement. Ouais, ouais, il il est dans cette, dans cette théorie de faire cher et, euh, et derrière, s'il se fait raise, euh, il sait qu'il a perdu quoi. Il sait qu'il a perdu maintenant contre Delaney. Ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est un peu plus compliqué parce que étant un joueur de PLO, on aime bien utiliser de temps en temps des bloqueurs pour pouvoir bluffer. Donc si par exemple Delaney ici avait l'as de carreau. Euh... Une main du style as de carreau et 3, euh, ou as de carreau et valet, ou as de carreau et 2, ce qui pourrait enlever des possibilités de full chez son adversaire et qui lui donnerait le bloqueur sur la, la couleur max. Il pourrait bouger. Et c'est ce qui va rendre la, la décision très difficile pour Schultz, parce que là, quoi qu'il arrive, on va relancer hein, chez Delaney. Voilà, c'est tapis voilà. chez le britannique. Mais là, maintenant, est-ce que Schultz est capable de passer Le danois a le, a le, le talent pour. Ouais. C'est très dur hein, parce que là on peut se dire aussi que Delaney utilise son, euh, tout simplement euh, la force de sa masse, de son tapis qui couvre celui de Delaney. Il y a des joueurs plus shorts à la table, notamment Henri Casper, l'estonien le, qui, euh, qui est là. Ça a été une table finale très spectaculaire. <laughs> Je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, là encore hein, le, le, le replay si vous le voulez, si vous voulez l'avoir en intégralité. Vraiment, ça a été euh, un vrai show et euh, on a avancé ces jetons-temps, il faut pour dire qu'on est parti pour une grosse grosse réflexion là chez, chez Schultz. Ouais, j'aime bien parce que ça peut aussi de temps en temps provoquer une euh, petite euh, réponse hein, euh, au niveau du langage corporel de son adversaire quand on là on a décidé OK, bah, si tu en bluff, tu sais quoi, tu vas peut-être euh, euh, devoir tenir ton bluff pendant 2 3 minutes et euh, de lui ne bouge pas. Il est euh, énorme, il, euh, il est persuadé maintenant d'être nutsé parce que son adversaire n'a pas carré de 2, il n'a pas full le valet par les deux. Voilà, ouais, très on... fort. Et on très, fold, très, fort, ouais. très très fort, pas évident à faire en plus avec les cartes et tout, mais <laughs> il se marre ici, there, pretty... petit sourire quand même en se disant là, soit j'ai fait le l'un des folds de l'année, soit je vais un petit peu passer pour euh, pour un faible ici. Yeah. Ouais, on va se retrouver à 7 restants et. Euh, on retrouve encore une fois de l'année maintenant qui est montait à plus de 10 millions jorgio le généreux euh, notre joueur suédois qui est vraiment l'amateur hein, de, de cette table finale une table finale où on retrouve aussi euh, euh, cet homme razvan Belea le roumain on va retrouver aussi euh, henri casper l'estonien puis notre français quand même cocorico hein, fabrice bigot le big celui qu'on appelle euh, le Malabar Bigot. Ouais, ou Notorious Bigot. Mais, mais... Euh, ouais. Alors, You, Cocorico, et en même temps, petite déception, parce qu'il y avait euh, un gros fil de français. Pour une ah, fois, ouais, on aurait pu en avoir quand même deux ou trois en TF, on en a eu qu'un. Ça avait été euh, finalement assez compliqué en, en tiers de finale et demi-finale. Alors, 9-3-2 avec donc top pair pour de l'année. Le problème, c'est qu'il y a Jornieu, hein, euh, qui est. Euh... Qui a, des, qui, a, qui a deux rois. Ouais. et j'ai l'impression qu'en plus, Jornieu avait simplement payé ouais. hein, euh, au bouton la remise de Delaney au cut-off. Euh, la, la remise. Le raise. C'est comme une remise, C'est une remise, ouais. quasiment. Une ouais. euh, remise sans contrôle de Delaney. Il va payer avec son backdoor couleur en plus, hein, pour le britannique. Il adore les backdoors, forcément, comme les joueurs oh, là, 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 là. Ah, les oh, là. de PLO. Et là, Jornieu, qui peut difficilement se voir euh, battu là maintenant, il a l'impression que son plan est en train de se dérouler sans accroc. Les MC10 invisibles, un peu comme Delaney. Hein Après le 10, tout à l'heure, Rivière pour lui donner full la 10 pour trouver deux paires. C'est euh, quand même plutôt verni dans le run-out, le, le britannique. Et regardez ce visage de Delaney qui fait le mec un peu. Ouais. Euh... Euh, Mi-choqué, euh, mi mi-sonné, mais en même temps mi-intéressé, ça fait quand même beaucoup de mi. Ça fait euh, 150% de l'année. Ouais, sachant que c'est même pas clair que, que Jorgnieu et Overcall, par exemple, paire de 3 ou paire de 2 pour Brelan, on bloque forcément paire de 9 et paire de 10 en plus chez Delaney. Donc on est quasiment noté en fait ici, hein, chez, le, chez le britannique. Hein. Ouais, faut oh oh Alors là, et alors là, s'il vous plaît. Ouais, on vient de passer devant chez Jorgneau. Alors, on jouait aussi euh, la doublette du 2, la doublette du 3 hein, euh, pour le, le Suédois, mais il va falloir euh, garder son, euh, son calme hein, là-dessus. Elle, elle est insane. Hein. Alors là, par contre, je parlais du 10 vernis de, de la turn, mais euh, le roi, la rivière. C'est toujours très dur comme ça, vu qu'on a une poquette et qu'on fait Brelan, euh, turn, rivière. c'est On est vraiment invisible. La Brelan, c'est même full, mais. Euh, non, c'est Brelan, c'est Brelan, pardon. Mais euh, on est vraiment invisible. Hein. Ouais, c'est dur. Et alors, ce qui embête de l'année, là, c'est que Jornio, c'est pas le genre à faire d'énormes bluffs comme ça, là, pour euh, un de ses premiers gros tournois et une de ses premières euh, grosses tables finales. Mais le problème, c'est qu'il se dit, c'est un joueur amateur. Et il peut aussi, de temps en temps, se value cut, ici. Il peut avoir euh, deux As dans ce spot. Ouais, t'es pas trop... T'es pas trop euh, grédit, comme il dit. Euh, T'as pas envie d'aller chercher trop euh, trop d'argent, là. Ouais, cool. voilà, et là, il est touché, il est touché, ouais. T'as fait petit, tu veux peut-être euh, juste euh, prendre un petit peu. Ouais, il, euh, ah, il est dégoûté. Il est dégoûté de l'année. On vous spoil pas, les amis. Allez voir cette TF en replay, si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A tchou, bye bye. Vive le pété, vive le pété à Paris, les amis